Hey, salut à toutes à tous et bienvenue pour ma découverte de Fire Shark sur Mega Drive. Bon, on est sur Raspberry, mais c'est la ROM Mega Drive qui va être lancée. Donc un jeu top plan. Moi j'aime bien les jeux top plan, tu vois, et celui-là j'y ai jamais joué. Donc ça va être l'occasion de tester ça. Hop. Voilà, je me mets juste un petit peu de son, que je puisse quand même entendre un petit peu. Ah oui, d'accord, c'est déjà parti. Ok. Ah bon, bah ça c'est la bombe. Ok. Ah bah j'ai que deux touches, ok. Bon bah c'est parti. Donc ouais, jeu top plan, j'aime bien, tu vois, Zero Wing, Tatsujin, Hellfire. Enfin, c'est des jeux que je vais apprécier. Écoute, là, on est un peu dans le style, attention, hein. Dans le style Sonic Wings, Strikers, et 1941. D'ailleurs, 1941 qui était de Sega, hein, d'ailleurs. 1942 aussi. On est dans cette veine-là. Ok, la musique, elle est cool. Graphiquement, c'est beau, c'est propre. Il y a un petit aspect un petit peu pâteux comme ça que j'aime bien. Oula. Ok. Oula, ça fait mal mon truc là. Ok. Bon, je vous garantis pas un gameplay de qualité. Mais ça sera la petite découverte. Putain, j'ai l'air d'avoir un truc qui déchire là. Mon tir. Hop. Putain. Ouais, ça c'est des nouvelles armes. Ok, oh putain, ça je peux le garder. C'est bon ça. Oh là là, j'ai été touché. Ah merde. Oh, c'est one shot, hein. Ok. Bon. Faut pas rigoler, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? C'est quoi ça, P? Ah oui, d'accord. Ah oui, soit tu changes d'arme, soit tu augmentes la puissance de l'arme. Ok. Donc S. Bon, j'imagine que S c'est pour speed, comme dans tous les shoots. Hein. Putain, mais celui-là je peux pas le maintenir, tu vois. J'aimerais bien maintenir la touche et que ça shoot en continu. Mais en fait, si tu maintiens, ça réduit vachement le débit, quoi. Ah, j'ai mon truc vert là. Ça, c'est bon, ça. ça fait super mal. C'est complètement pété. Oh la vache. Eh, il va me casser les couilles, lui. Il me reste deux bombes. J'espère qu'on va pas en avoir 50 là, des espèces de gros chars. Hein. Ouais, à mon avis, ça pue le boss. Ah non, ah oui, d'accord. J'ai fait le tour du monde. Je suis revenu à la base. Moins 1000 points. D'accord, merci. Ou c'est 1000 points, je sais pas. Eh, tu repars cash, putain la vache. C'est pas les OPEX de chez nous là. Allez hop. Ouf. Oh, oh là là. Ah oui, carrément. Donc a priori, tu gardes tes power-up même quand tu changes d'arme. Alors ça, par contre, c'est cool. Attends, par contre, j'ai plus qu'une vie, fais chier. J'espère ne pas mourir tout de suite, là. Ouh là là. Là, il y a un espèce de gros sac, là.
Là, un autre. Ok. Allez. Putain, mon arme, comment elle est cheatée là? Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis qui arrivent par derrière. Ça... Qu'est-ce que je peux détester ça dans les shoots? Ah, je déteste les ennemis qui arrivent derrière. Ça m'empêche pas de jouer, hein, mais. Mais putain, à chaque fois je me dis, mais les enfoirés quoi. Alors c'est le principe d'un R-Type, mais R-Type t'as le tir en arrière. Que là, dans un shoot comme ça, tu vois, si t'as des ennemis qui arrivent derrière, faudrait les éviter et puis leur tirer dans le dos quoi. Je déteste ça. Alors le P, oh putain la vache, je vais devenir. Oh lolo. C'est sérieux. Et là par contre, tu vois, t'as des ennemis qui arrivent derrière. Hein. Oh là là. Oh non, je veux pas changer d'arme, dégage. Casse-toi. La blague. Ah! Là-bas, bah voilà. Putain, la salope d'arme qui est venue me chercher, quoi. Je suis deg. Putain, et là, je fais mal. Oh! Putain, l'avion, de ouf. Hein, j'ai deux avions, il me reste deux vies. Oh là, ça c'est le boss ça. Putain, dommage que j'ai pas mon laser. Allez, dégage. Oh, je m'en fous. Ah merde, c'était pas le boss. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai craqué toutes mes bombes. Oh, dis-moi que c'était le boss. Ah, c'est les copains, ouais, ça y est. Ok. Why not? Ok. Ouais, même pas le temps de boire un verre d'eau. Oh, putain, le feu. Ah oui, d'accord. Tout s'est scratché la gueule, quoi. C'est vraiment la fête du slibar chez eux, quoi. Ils ont une maison au bout de la piste, t'sais, histoire de se donner un petit peu de défi avant la mission. Genre, si t'arrives pas à décoller, tu mérites pas de combattre. C'est bon, ça. Oulala. Putain, fais chier, je veux mon laser. Je suis deg d'avoir... Putain, tu vois, j'en étais sûr qu'il fallait pas que je prenne l'autre arme, qui était celle-là. Bon, même si au final, j'arrive quand même un petit peu à m'en sortir. Malgré mon niveau pourri en shoot em up, il faut que j'apprenne par cœur le jeu, sinon j'arrive pas à jouer normalement. Bon, là on est en easy, encore une fois, je le répète. Là t'as des jeux en easy, c'est horrible. Oh là là. Oh, one up. Oh là là, mon laser. Ah non, dégage toi. Oh, il faut que j'évite ça. Oh là là, ils veulent à tout prix que j'ai... Putain, les salopes. Désolé hein, pour mon langage. Mais... Putain, je suis deg. Putain, mais j'avais mon super laser. Pourquoi il me balance des armes de merde? Ouais, je pense que je suis full power par contre. Ah, le jeu est excellent. Je pense que celui-là, je vais me l'acheter en physique. Hein. J'espère qu'il vaut pas trop cher. Ah, ça c'est vraiment... Là, je suis fan. Sa musique est pas souvent, hein. Ça peut pas être la même depuis le début. Là. Ça a dû tourner un petit peu. Ok. Ok.
La PLS que je dormais. Ah, oh, ça doit être le boss, ça. Ok. Oh lolo. Putain, y'a du monde. Putain, c'est ouf. Le nombre de sprites à l'écran. En plus, ils sont assez gros, quoi. Avec les petits virages, là, qui fait que l'avion, il est un peu penché et tout. Franchement, ça déchire. Attends, y'a un truc sur le côté, c'est quoi? C'est des plongeurs. C'est des plongeurs ou c'est des... Ou c'est des dauphins. Putain, c'est vraiment excellent, quoi. Allez, on continue. Oh lolo. Putain, là, ça fait mal les yeux, le truc vert, là. C'est un peu bizarre, ça, par contre. Ils auraient pu choisir une autre couleur que le vert. Oh là, par contre, putain, je leur fais mal. C'est un truc de dingue. Ok. Je le prends, sinon il va faire que de me suivre, ce con de machin. C'est un coup à me foutre dans les... dans des munitions ennemies. Donc c'est pas la peine. Par contre, au niveau des couleurs, il serait peut-être temps de se renouveler, les gars. Là, graphiquement, c'est beau, hein, c'est propre, mais... Putain, les couleurs, il y a quand même moyen, sur Mega Drive, de faire un peu mieux, quoi. Ça correspond bien à l'ambiance, hein, y a pas de souci. Par contre, putain. Oh, mon laser. Oh lolo. Oh lolo, puis maintenant j'en ai deux qui tournent, quoi. Ah, j'ai plus qu'à me promener, quoi. Oh le bordel. Oh, j'ai été touché. Con. Ah, oh, j'ai mon vieux flingue tout pourri. Ah, j'ai un petit power là. Ok. Allez, on va essayer de pas se faire dégommer. Voir un petit peu la suite du truc là, comment ça se passe. Putain, il est cool hein, jusque là le jeu. En plus, ce mode facile, on va dire qu'il est facile. Parce que putain, une première approche là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça sert à rien. J'essaie de survivre, c'est vrai. Hop. Et en PLS. Ah non, moi aussi. Oh le con. Sérieux. Je suis naze. Allez hop. Continue. Ok. Ah merde! Ah, il peut me toucher quand je balance ma bombe. Alors ça par contre c'est pas cool.
Allez les gars. Là ça y est, tu vois, c'est... J'ai plus mon arme. J'ai plus mes power-up. Là ça y est, je suis en galère. Ça c'est vraiment l'histoire de ma vie. Dès que j'ai plus de power-up, là ça y est, je peux plus rien faire de moi. Ah ouais, en plus il est vachement résistant ce con là. Il m'a encore buté quoi. Moi j'opte pour arrêter la capture maintenant. De toute façon je vais crever. En tout cas putain je suis vachement content d'avoir découvert le jeu. Tu vois, pour une découverte ça se passe plutôt bien. Même si bon bah voilà, dès que j'ai perdu mes power up, t'as vu, je suis en galère totale. Et voilà, je tente une dernière fois. De toute façon là ça va être je vais crever. Et puis c'est mon dernier avion. Mais par contre, je suis vachement content du truc. Ah bah tu vois, ça y est, je l'ai eu. Voilà, franchement, Fire Shark, donc le requin de feu. Hyper cool. Ok. On va essayer quand même d'aller au bout du niveau. Parce que s'il y a un ennemi qui se pointe. Par contre encore une fois putain les décors les mecs fuck quoi. Bon, c'est la fin du niveau. Allez, on va essayer de voir quand même si on peut aller un peu plus loin dans le délire. J'ai plus qu'une bombe, je suis en PLS. Et je la largue comme un con, putain de vue, j'ai pas vraiment les commandes encore en tête. Quel gros dope je suis. Bon là c'est vraiment en mode mode suicidaire. Là c'est le mec bourré qui prend son avion, c'est Independence Day quoi. Dans la gueule du loup. Allez hop. Ok. Bon au final, voilà. Je pense que la partie gameplay elle est pas dégueu de ce que j'ai fait jusque là. Hop là, en plus j'ai le laser de la mort. Hop. Oh putain. Voilà, j'ai mon laser. Là c'est le God Mode. Oh putain, mais à chaque fois je me fais rattraper par la merde de Power Up là. Enfin par le changement d'arme. Défile-moi ça. Ah bah voilà, j'ai été touché, percuté par un ennemi. Bah franchement c'était cool tu vois. Bon j'arrive au stage 5 finalement. C'est pas mal. 5 crédits, évidemment, je vais pas les utiliser, je m'en fous. Hein, là, le but c'était de présenter le jeu. Et ben, j'espère que ça t'aura plu. Moi, je vais regarder si je peux me choper une petite version physique du jeu en boîte complète. Là, si je peux me le gauler, putain, ça. Ouais, là vraiment, j'ai adoré le jeu quoi. Et ben, j'espère que ça t'a plu. Et moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, amuse-toi bien, joue bien, collectionne bien. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao. Putain, ce power-up de malade. Allez, ciao. Salut à tous.